remonte à l'origine, c'est mon enfance. Quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Je peignais pas vraiment, mais je griffonnais, il y avait des couleurs, des trucs comme ça. J'ai continué à faire ça jusqu'à très tard. Et je me suis mis vraiment, vraiment sérieusement à la peinture il y a une quinzaine d'années. Un ami italien m'avait invité chez lui un jour. Il a un atelier, il a posé des toiles blanches. Il m'a dit, maintenant, vas-y. Ah, au lieu de faire des petites cartes postales, maintenant, tu vas faire des grandes choses. Et je me suis jeté à l'eau et j'ai commencé à peindre. Enfin, peindre, je ne savais pas où j'allais. Hein. Je peignais. Et c'est ça, le fait, il faut bien que je dise aux gens, je n'ai pas de message. Ce n'est pas une peinture à thème, contre ceci ou contre cela. C'est uniquement une recherche de la lumière, une présence de cette paix, cette sérénité que donne la lumière. C'est tout. Il n'y a pas de prétention, je vais changer le monde avec ma peinture. Je ne changerai rien du tout. Mais les gens qui ont mes toiles chez eux, ils me disent toujours... Ça nous fait plaisir de les voir parce que ça nous apaise, ça nous fait du bien. Ça vient d'une expérience en Italie. J'ai été choisi parmi quelques artistes pour peindre les cellules d'une ancienne prison à Lipari, en Sicile, qui était une prison où les fascistes mettaient les opposants. Et maintenant, cette prison est devenue un musée. Et on m'a demandé de faire des fresques dans cette cellule. Et quand je suis rentré dans cette cellule, la première chose que j'ai imaginé un prisonnier politique qui portait une chose, une porte par laquelle s'échapper. Et j'ai peint une porte, la porte d'un mausolée. Et cette porte donne sur la mer, et qui est la porte de la liberté, justement. Et je l'ai gardée comme symbole, comme signature de tout ce que je fais. Parce que pour moi, cette porte toujours blanche, souvent blanche, très souvent, et est une sortie vers là où on respire mieux. Ce sont deux démarches différentes. L'écriture, il y a une structure à suivre, il y a un travail vraiment de composition. On raconte une histoire, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait un style, etc. La peinture... Je ne sais pas qu'il n'y a pas de cohérence, il y a la cohérence, mais il y a une autre démarche pour autre chose. Le but est le même. Le but, c'est de donner au public quelque chose qui va soit le distraire, soit lui plaire, soit lui faire réfléchir, soit l'enchanter, soit l'ennuyer, j'en sais rien, ça dépend des gens. Donc ce sont deux choses différentes. Et je trouve que c'est comme certains... Il y a très peu d'écrivains qui ont fait de la peinture, mais d'une manière professionnelle, très peu. Bon, il y a évidemment, je ne vais pas me comparer à Victor Hugo ni à Jean Cocteau, qui ont fait des choses magnifiques. Mais Roland Barthes a été un petit dessinateur. Adonis a fait beaucoup de... Il fait toujours des tableaux. Avlatif Lavi aussi. C'est-à-dire qu'on a envie de diversifier l'expression. Parce que quand on est uniquement sur un seul critère d'information, on se sent un peu isolé. On a besoin d'aller plus loin et de diversifier les choses. J'écris des poèmes depuis toujours, et un jour, la fille de mon premier galeriste, Hadia Temli, m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas un poème soit sur la toile, soit sur le cadre, pour te différencier des autres? Ah, je lui ai dit, pourquoi pas? Et c'est vrai que j'avais envie d'écrire. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait que la toile, les peintres qui vont venir, ils vont dire, bon, ben c'est quoi ça? Il empiète sur notre territoire. Là, j'ajoute quelque chose qu'eux ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que finalement, la poésie, c'est ma marque de fabrique, c'est ce que je suis, et ça, c'est en plus. Donc c'est une façon de rappeler que je suis d'abord un écrivain qui peint, et non pas un peintre qui écrit.